Bonjour à tous, c'est CVMath et bienvenue pour ce nouveau numéro de Let's Math. Let's Math numéro 20. Un numéro un peu spécial car aujourd'hui nous allons jouer à un jeu mathématique. Et ce jeu s'appelle Mech24. Allez, on va faire donc le mode No Time Limit. On va se donner donc un minimum de temps de 900 secondes avec un nombre de puzzles à battre de 20. Donc c'est parti. Ça va être un sacré défi, mais je pense le réaliser. C'est parti. Alors, ici 13 et 13, donc 13 moins 2. Alors 13 plus 24. Alors, bien entendu, il y avait le 2. Donc 2. Alors 26, ah, peut-être 26. 26 moins 2, donc 2. 6 moins 2, alors là il faudrait faire 9, ah, peut-être 11. 13 moins 2, 11 plus 13, il manque 24.13 moins 2, 11 plus 2 divisé par 2, 1 13 moins 1, 12 on skip 2 moins 2, 1 divisé par 13. Alors, 12 x 5, 60, je vais faire vite. Bon, concentration. 12, alors 8 moins 4, alors, 8 x 3, alors x 3, faire 60. Ah oui, non. 3, 1 et 2 fois. Okay. Alors, 6, je pourrais faire 6 divisé par. Non. Je pourrais faire 4, 12, 2 et 2 fois 2, 24. Six, onze, moins le 5, je pourrais faire 5, 5, non. 5 fois 1, je crois 5, 55, alors 11, 22, 21 et non, ça fait 26. Skip. 2 fois 11, 21 moins 1, ça va diviser par ça. 14, 16, 8, 8, ça pourrait faire 3. Donc 8 moins 7, 1, 2, 8 fois 3, 24. Non. Alors ensuite, 36. 6 et 6 et 6. Là, il faudrait faire 4. 11 plus 5. 11 plus 6, 17. Plus 6, 23. 8 plus 6, 36. 6, non. 3, 6. Divisé par 6, non. 36. Donc 24 moins 11, on va faire 13. Comment faire 13 avec les 6? 6, ok. 6 fois 3, 18.
6 divisé par 1, 6 plus 12 fois 12, alors 12 plus 12, 24, 10 divisé par 10, 1, et 24 ans. Ok. Alors, 6 fois 2, 2, 2, 12 divisé par 6 fois 2. Qu'est-ce qu'on va faire? 12, 6 fois 2, 6 fois 3. Mmh. 8, 6 divisé par 2, 3. Mmh. Là, qu'on va faire 8. Je sais pas si c'est 4. Ah, soit 2. 6, tu sais pas. Non. Non, 2. 2. Voilà, c'est ça. 18. 30. 9 fois 37. Dix moins trois, sept, non. Dix moins neuf, un. Non. Dix plus dix, et là il y a fait six. Neuf, cinq, un. 10 fois 10, 8. Voilà. Voilà, c'est bien pour ça. 6, voilà. 12 fois 1. Ok. 2, 2, 2, 2, 2 fois 4. 15 et 8, 23, non, 7, 10, 6, 35, 7 fois 3, 21, 5 plus 1, 5 plus 1, 6 et 7 fois 3, 4, 6 fois 4, 24. 8 fois 3, 24. Ouais, c'est ça. 3 plus 1, 24. 32 moins 8, 24. Ça soit 2, 26. 2 fois 1, et 26 moins 2, 24. Ça soit 2, 26. 4. Donc. 4 divisé par 2, 22. 4 moins 3, 13 moins 1, et 12 fois 2. Voilà. 11, 44, 8. Donc, je vais répondre 8 plus 4, plus 1, plus 8. 26, 8 moins 6, 13, non. 13 plus 13, 26 moins 2, 24. 16 et 10. Alors là, peut-être qu'on va faire 3, 24, 3, 5, 8 moins 2, 7 moins 3, et 6 fois 4, 24. 24, 3, 6, 5, 7, 4, 8 fois 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 12 fois 4, 48,
10, 5, 14, 30. Non. 12, 14, 24, 10, 16, 18. Alors, vingt-deux, sept, moins vingt-trois, fois deux, quatre fois deux, fois trois. Cinquante, cinquante-huit après. Cinq fois cinquante-cinq, moins dix, treize, vingt-huit. Cinq fois cinq, moins dix, non, vingt-huit. Trois fois cinq, soixante-cinq, plus dix-huit par cinq, trente-quatre. Alors, 13, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir un 4? Il faudrait faire pour avoir un 4. Voilà. 40 et 10, 24, divisé par 1, 4, plus 10, plus 10, 24. 10 fois 2, 20, et là on a 18. 19. 2, divisé par 2, divisé par 2. 24. 9 fois 2, 18. 4, 40. Non, divisé par 2. Ah, non. 9 fois 2. 36 moins 10, non. 36, non? 31. 4. 36. 9 fois 2. Ok. 13, il faut faire 11 ou 4. 13, 1, 10, 3, la fois 4. Bon, 3, donc 6 moins 3. Non, 6 moins 3, il faut être 24. 26. 1 fois 4, 20, 26, ah, ouais. Voilà. Voilà, et le dernier, alors, 6 et 6, 6 et 6, 12, 9 et 4, 13, alors là, c'est le même, donc il faudrait faire 3, 9 moins 6, 9 moins 4, 30, moins 6, 24. Et voilà. En 780 secondes. Voilà. Bien. Voici mon score. J'en ai skippé 7. Donc, bon, enfin, j'en ai fait 24. Donc, 20 sur 27. Voilà, c'est un bon ratio. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, ben vous pouvez commenter la vidéo. Et si vous voulez suivre la chaîne CVMath, eh bien, vous pouvez vous y abonner. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.